Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Relis encore. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. L'autre côté, le Seigneur dit, prenez bon garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsque tu es venu à Christ, alléluia, lorsque tu es venu à Christ, et le Seigneur, il faut te racheter, il faut te pardonner. Et le Seigneur met des conditions, il met des règles devant chacun, afin que tu respectes ces conditions, afin que tu obéisses, tu respectes toutes ces règles qui sont devant toi et pour marcher conformément à ces règles, à ces conditions et pour sauver ton âme. Alléluia. Et le Seigneur voudrait que dans sa maison, qu'il y ait de la discipline. Qu'il y ait de la discipline dans sa maison. Ou de la même manière, dans ta propre famille, dans ta propre maison, il y a des interdits. Il y a la discipline. De la même manière, dans ta famille, dans ta maison, où tu mets l'ordre, et le Seigneur veut aussi dans sa maison, là où tu viens pour l'adorer en esprit en vérité, il veut également qu'il y ait de la discipline et qu'il y ait l'ordre. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez c'est écrit, mettez de l'ordre dans votre vie. Alléluia. Mettez de l'ordre dans votre vie. Autrement dit aussi, dans sa maison, où on se réunit, on se rassemble pour le louer, qui est également l'ordre, qui est également la discipline, parce que nous serons un Dieu de discipline, un Dieu d'ordre. Alléluia. Vous voyez, Dieu est ordonné, c'est-à-dire dans toutes ses affaires. Dieu est ordonné dans tout ce qu'il fait. Quand vous voyez, c'est-à-dire, c'est l'armée céleste, c'est-à-dire tous les anges qui sont aussi en train d'adorer des milliards des anges, ils sont tous ordonnés. Alléluia. Ils sont tous ordonnés. Et les Seigneurs voudraient que ces enfants, c'est les citoyens célestes, et dans sa terre, dans sa maison, qu'il y ait de la discipline. Dans sa maison, qu'il y ait de l'ordre. Alléluia. Qu'il y ait de l'ordre. C'est pourquoi les Seigneurs disent, prenez ton garde. Prenez ton garde. De vous conduire circonspection, de vous conduire avec circonspection. Alléluia. Et de l'autre côté, il dit, soyez saints. Il dit, c'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui t'a appelé, Jésus-Christ t'a appelé. Lui est saint. Et il veut aussi que tu sois saint dans ta conduite. Alléluia. S'il t'a appelé, tu es venu ici. Tu es venu dans sa maison. Au moment où nous sommes encore vivants, tu es dans sa maison et pour que tu sois saint dans
toute ta conduite. Alléluia. Ces deux passages regorgent beaucoup de choses. Alléluia. Regorgent beaucoup de choses. Je voudrais qu'on comprenne que chacun, c'est-à-dire dit ce peuple, c'est qu'il comprend. Alléluia. Le premier verset que nous venons de lire, verset chapitre 7, verset 15. Prenez ton cas de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Frère Jean, tu vas passer le micro. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez. Ça veut dire parce qu'il y a des mots clairs. Pourquoi le Père dit chrétien soit prudent. Sois prudent dans toute ta conduite. Alléluia. Donnez le micro à un frère ou à une soeur. Dans le
c'est que dans la maison de Dieu, nous devons avoir un comportement d'un enfant de Dieu, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous devons prendre le modèle de Saint Jésus. Il était un modèle parfait, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans le cercle, au sein de l'Église. Donc, ce qui fait que quand il partait, que Satan ne l'est pas bien en moi. Donc, nous devons être parfaits, que ce soit dans la société, que ce soit au sein de la famille, que ce soit dans l'Église. Nous devons être modèles. C'est pour ça que nous devons manger avec six corps, six corps. Donc, Alléluia, acclame le Seigneur Jésus pour ses éléments. Alléluia, donne le micro au frère Joël. Frère Joël, qu'est-ce que tu entends par conduite? C'est un mot très important. Alléluia. À plusieurs fois dans la Bible, ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est mon conduit, ça revient toujours. Oui, lui entend ma conduite, la première fois qu'il entend ce mot, ça me fait passer un véhicule à une voiture dans laquelle il y a une personne qui conduit, donc il choisit une direction. Donc, ce que j'entends par conduite, c'est quelles sont les directions que nous prenons, quelles sont les directions que nous prenons en société. Au milieu des autres, quelle est notre nature, quelle est l'attitude que nous adoptons quand nous sommes au milieu de nos semblables. Est-ce que cela reflète celui de Jésus-Christ ou est-ce que cela reflète la corruption, la mauvaise façon de faire, la mauvaise façon d'agir? C'est ce que j'entends par conduire. Amen. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus pour ses éléments de réponse. Le Seigneur dit, prenez donc garde de vous conduire avec prudence. Alléluia. C'est conception avec prudence. Alléluia. Et il est écrit quelque part, le Seigneur veut que ses enfants soient prudents. Soient prudents dans toutes les conduites. Chrétien, prends garde. Conduit avec prudence, agit avec prudence, avec attention, être éveillé sur quelque chose, quelque danger. C'est-à-dire, prendre des précautions, des mesures pour ne pas, c'est-à-dire, tomber dans les erreurs, pour ne pas tomber dans le danger. Alléluia. C'est aussi la manière, comme vous avez dit, comporté dans la maison de Dieu, la manière d'agir, ou même la manière de parler. Alléluia. Ou même la manière de parler. C'est aussi la conduite d'un enfant de Dieu. Alléluia. Comportement. Voyez, la conduite, c'est un élément qui englobe beaucoup de sortes d'éléments. Que les enfants de Dieu soient sains dans toutes les conduites. Alléluia. C'est vrai que beaucoup nous avons parlé de la sanctification, nous avons parlé du dépouillement, mais le Seigneur veut, est-ce que les enfants ont une bonne conduite dans sa maison? Est-ce que tu as une bonne conduite dans sa maison? Est-ce que ta conduite, dans la maison de Dieu est conforme aux règles, est conforme à la sainte doctrine? Comment tu te comportes dans la maison de Dieu? Quels sont les caractères que tu affiches dans la maison de Dieu en tant qu'enfant de Dieu? Quelles sont tes attitudes? Alléluia. Pourquoi la sainteté? La sainteté, ça ne se limite pas seulement au dépouillement. Alléluia. Ça ne se limite pas seulement au dépouillement du cœur. La sainteté également, ça touche. Ça dit la conduite. Je dirais même que cet élément qu'on néglige, je dis la conduite, c'est ça qui va, ça
Dieu. C'est ta conduite. Tu regardes. Tu t'es écouté. C'est bien. Tu as enlevé tout ce qui n'honore pas le Seigneur Jésus. Tous les paris, tous les paris qu'ils avaient, tu les as tous enlevés. C'est bien. Mais le Seigneur dit, est-ce que ta conduite? Regarde bien ta conduite. Alléluia. La conduite. Et c'est ça qui va t'amener Seigneur à pour que les autres se distinguent. Que tu aies un enfant de Dieu discipliné ou non discipliné. La conduite est un élément très important à ne pas négliger. Ce n'est pas ta conduite que les autres, ça dit bon, vont détecter. Est-ce que tu es un enfant de Dieu soumise ou non soumise? Alléluia. C'est pas la conduite. Dans la conduite, il y a le comportement. Dans la conduite, il y a les caractères. Alléluia. Vous avez tout dit, c'est le comportement. C'est bien. Dans la conduite, il y a également le langage. Dans la conduite, il y a également le vivre en salle. Toutes ces choses-là sont dans la conduite. Quand vous voyez même dans le milieu scolaire, quand vous voyez même dans les écoles, ou même dans les sociétés, il y a une discipline qu'on appelle la conduite. Alléluia. Il y a une discipline qu'on appelle la conduite. C'est par là qu'on détecte. Cet élève, il est turbulent. Cet élève, il est insolent. Cet élève, il est discipliné ou il est indiscipliné. C'est par la conduite. Alléluia. Et par la conduite, comment ceux-là qui vont maintenant penser sur les anciens, ils sauront comment que tel élève ou tel étudiant est discipliné. C'est pas tes caractères. C'est pas ton comportement. C'est pas ta manière de parler, pas ta manière de répondre aux gens. Pas ta manière de salir de te comporter, même devant, salir devant tes leaders, devant tes chefs. Pas ta manière de réagir ou d'agir devant tes aînés ou devant même tes parents. C'est par là que même les parents vont dire, c'est parfois notre fils, lui il est discipliné, il est soumis. Amen. Sinon, si c'est pas ça, on va détecter que tel est comme ça, tel est comme ça, on va détecter comme ça. C'est au travers le comportement. Et raison pour laquelle le Seigneur veut encore exister sur cet élément très important que beaucoup les négligent. Parce qu'on va parler de la sanctification, c'est bien, c'est bon. Si on néglige toutes ces choses, le comportement, le caractère. Et c'est ça qui va faire rater, c'est-à-dire beaucoup. Les enfants de Dieu vont rater le ciel à cause de leur mauvaise conduite. Quand je dis le mot mauvaise conduite, les caractères est dedans. Le langage est dedans. Le comportement est dedans. Tout ça, des attitudes. Des attitudes. Même si tu te parais pour faire l'apparence de piété et que les caractères ne sont pas changés, tu ne peux pas entrer au ciel. Et pour que ces caractères changent, c'est au fur et à mesure. Pour qu'on grandisse, qu'on te corrige, il y a des enseignements qui sont donnés tous les jours. Tout ceci, c'est pour t'amener à corriger tes erreurs, à corriger tes caractères, à corriger tes comportements. Pour que demain, ou devant le portail du ciel, que tu ne dises pas que tu n'étais pas au courant. Ou en tant que parler de ça. Alléluia. C'est bien que, au moment où nous sommes en confiance sur la terre, qu'on vous dise la vérité. Alléluia. Pour que demain, qu'on ne dise pas que tu n'étais pas au courant. Alléluia. Moi, je préfère dire la vérité et bien que la vérité. Sans négliger la moindre des choses. Juste parce
situation où personne n'allait descendre, elle est appelée descendant, mais alors c'est une caractère. C'est le mauvais caractère, ça ne sert à rien. Si tu es appelé descendant et que les caractères sont mauvais, ne sont pas changés, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Alléluia. Quand la Bible parle du vieil homme, quand la Bible parle, s'il est un et en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses, quand la Bible parle des anciennes choses, le péché, y compris le comportement, y compris les caractères. Alléluia. Et toutes ces choses, c'est le vieil homme. Et quand la parole de Dieu vient, ça transforme. Ça change les mentalités, ça transforme. Les caractères, le comportement, le langage. Et c'est ça qui va te permettre que tu véritablement un enfant de Dieu, né de nouveau. Un enfant de Dieu changé, renouvelé, changé. Un enfant de Dieu battu. Alléluia. Et ce n'est pas la conduite d'un enfant de Dieu. Quand les autres vont détecter que celle-ci est une brebis rebelle, à savoir ou pas. Alléluia. C'est la conduite. Si on va détecter celui-ci, il est comment détecter comment? Alléluia. C'est pas la conduite. C'est pas la conduite. Qu'on détecte le mauvais caractère. Pas la conduite. Qu'on peut, c'est-à-dire, détecter que si tu es discipliné dans sa maison, est-ce que tu es soumise dans sa maison? Est-ce que tu es insoumise dans sa maison? C'est pas la conduite. Et c'est pas la conduite. Comme Dieu a des droits de bon témoignage ou de mauvais témoignage. Alléluia. Des bons témoignages ou des mauvais témoignages. Sinon, quand on va dire le mot bon témoignage qui vont sortir de cette personne, est-ce que ça va sortir du ciel? Est-ce que ça sera comment? C'est au travers de ta conduite. Comment tu te comportes? Quels sont tes caractères? Quel est ton estime de la tâche? C'est par là qu'on dira qu'on va faire même ton éloge, que non celle-ci. Vraiment. Elle a un bon comportement. Il a un bon comportement. Alléluia. Sois prudent dans toute ta conduite. Et c'est par le comportement également qu'on détecte que celui-ci depuis qu'il a cru ou elle a cru, elle est encore charnelle. C'est vrai qu'elle a cru, mais elle est encore charnelle. Chrétien charnel. Alléluia. Il y a des chrétiens charnels. Et c'est pas ta conduite qu'on détecte que tu es un chrétien spirituel. C'est pas la conduite. Et c'est pas la conduite également qu'on peut détecter que véritablement tu es un enfant de Dieu engagé. Engagé, déterminé, engagé pour le ciel. Alléluia. Est-ce que ça va sillonner? On va voir ça. Alléluia. On va voir ça. Et c'est pas ta conduite qu'on va détecter celle-ci ou celui-ci. Il est vraiment effacé. Il est vraiment brisé. Ça dit qu'on ressent. On ressent, ça dit le brisement. On ressent de la soumission, le brisement. C'est pas la conduite. Pas la conduite qu'on va également, ça dit détecter que celle-ci, elle est la mère. Alléluia. Ou il a une zèle amère. Et si tu as une zèle amère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser ces zèles amères. Alléluia. Sinon, ça va te conduire au dérive. La conduite de l'enfant de Dieu dans la maison de Dieu. La sainteté. Alléluia. La sainteté dans la conduite. Voyez, ce n'est pas les hasards que Dieu dit.
soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Parce que le Seigneur dit dans toute votre conduite, quelque part il veut que le vieil homme soit crucifié. Il veut que la chair soit crucifiée. Si le vieil homme, la nature pécheresse, cette nature est crucifiée, quand tu épouses, le caractère de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu épouses le caractère de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut encore voir en toi le mauvais comportement, le mauvais caractère ou le langage, les paroles, ça dit Amen. On va te distinguer par ces éléments. Alléluia. Et c'est comme ça. C'est de la même manière si tu te comportes ainsi. Tu peux rentrer le ciel, je vous assure. C'est pas ta conduite. C'est pas la conduite qu'on va vraiment détecter. Tel enfant de Dieu, véritablement, il a l'amour pour le Seigneur. Il aime vraiment faire les choses de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Peut-être ce qui lui manque, c'est qu'il faut juste les cadrages, les conseils. Il lui faut juste les enseignements. Alléluia. Il faut juste les conseils. Il y a aussi des cas comme ça. Et ce n'est pas la conduite. Comment va détecter. On détecte. Parce que le Seigneur donne à ses serviteurs le discernement. Alléluia, le discernement. Et c'est pas simplement qu'on va détecter que celle-ci, de la même manière qu'on le voit qu'elle est venue, elle va demeurer. Alléluia. Et le juste du passage. Oui, le juste du passage. Très bien. Ça se ressent, ça se voit. Ça se voit. C'est pas le comportement. Ça se fait en fait de ta conduite. Qu'on va détecter. Qu'est-ce que ici, de la même manière que tu es ici, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sincère. Tu veux juste la parole de piété. C'est la de l'hypocrisie. Alléluia, pas la conduite. Pas la conduite. Comment aussi détecter que celui-ci, il est vraiment humble. Il est vraiment humble. Et c'est par la conduite qu'on détecte également tel enfant de Dieu, tel chrétien a vraiment la crainte de Dieu pour le Seigneur. Vraiment la crainte de Dieu pour le Seigneur. Alléluia. Et dit crainte de Dieu, dit humilité. Dit crainte de Dieu, dit vérité. Alléluia. Dit crainte de Dieu, dit droiture. Dit crainte de Dieu, dit justice de Dieu. Dit crainte de Dieu, dit intégrité. Et dit crainte de Dieu, dit fidélité. Ça dit, on va voir toutes ces choses, tous ces fruits. En toi, c'est manifeste en toi. Alléluia. Et on peut être vite. Celle-ci craint vraiment le Seigneur. Celui-ci a la crainte de Dieu. Vous voyez le peuple de Dieu. La conduite englobe toutes ces choses, englobe tous les comportements. C'est dans la conduite. Et si ton comportement n'est pas sanctifié, si tes caractères sont encore les mêmes, ne sont pas changés, ne sont pas sanctifiés. Si, ça dit, ton style de langage n'est pas changé, n'est pas sanctifié, tu ne peux pas entrer au ciel. Alléluia. C'est vrai, Dieu est un Dieu d'amour. Oui, comment j'aime un Dieu d'amour? Mais une fois que tu meurs, il devient Dieu de sainteté et Dieu de justice. Dieu de sainteté, Dieu de justice. Donc, il faut voir comment elle s'est comportée lorsqu'elle était encore vivante sur la terre. Est-ce que les caractères étaient encore les mêmes jusqu'à ce qu'elle est décédée, jusqu'à ce qu'elle est morte? Il est mort dans ses mauvais comportements. Où les gens, c'est-à-dire avec la nausée, c'est-à-dire avec cette amertume, avec la nausée. Parce que malgré les avertissements, les enseignements, ils ne changent pas. Tu craques le ciel. Alléluia.
la conduite, soyez saint dans toute votre conduite. Le Seigneur lui dit le saint. Il t'a appelé, s'il t'a appelé dans sa maison, s'il t'a appelé pour que tu le saint, s'il lui dit qu'il est saint, et que tu sois aussi saint dans ta conduite, si donc ton comportement n'est pas sanctifié, comment donc tu vas donc prétendre entrer au ciel comment? Tu vas entrer au ciel comment? Alléluia. C'est très important, peuple de Dieu. C'est que Saint-Esprit est en train de Dieu. La conduite, la mauvaise, c'est la mauvaise conduite des enfants de Dieu qui vont les conduire en enfer. La mauvaise conduite. Que tu sois grand ou petit. Que tu sois grand ou petit. Je t'assure. Et le Seigneur te prévient aujourd'hui d'être prudent et d'être sage. D'être prudent. Si tu n'es pas prudent, si tu n'écoutes pas le conseil de tes conducteurs, si tu n'écoutes pas le conseil de tous ceux qu'on te dit, et si tu ne mets pas en pratique tous les enseignements dans tes temps et que tu fais tenir dans tes démons, tu continues dans tes mauvais comportements, dans tes mauvais caractères, ton sang ne sera pas sur moi. Ton sang ne sera pas sur moi. Je préfère te dire la vérité au moment où nous sommes encore vivants. Alléluia. Même moi qui te parle, ça dit, ça m'enseigne, ça m'édifie et ça m'instruit également. Et c'est ça que j'ai compris, que ça dit beaucoup des enfants de Dieu sont venus dans la maison de Dieu. Ça dit manifeste ses ailes. Amen. Sachant qu'ils sont les enfants de Dieu, or en réalité, ils sont même pas nés de nouveau. Ils sont même pas nés de nouveau. Et c'est ces choses, les caractères. C'est-à-dire la manière de penser pour peut-être, c'est-à-dire entre frères, entre sœurs, ou même vos relations avec vos conducteurs, c'est tout ça qui bloque la manifestation de cet esprit. Ça bloque et ça illumine le cœur de Dieu. Et quand le Seigneur voit toutes ces choses, mais c'est comment? Nous sommes en train d'aller où? Au ciel? Nous sommes en train d'aller au ciel avec cet comportement. Nous sommes en train d'aller, c'est-à-dire la terre promise avec ce comportement, en train de la terre promise avec ce mauvais caractère. Tu es en train d'aller au ciel. Alléluia. Est-ce que la Bible ment? Quand vous voyez le peuple israélite, qui sont tous périls à ses voix, c'est la mauvaise conduite. Alléluia. La mauvaise conduite. La mauvaise conduite à cause de leur mauvais comportement, à cause de leur rébellion, à cause de leur mauvais caractère, ils étaient disqualifiés. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Nous allons lire Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. C'est qu'il ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Obéissez, un homme, que le Seigneur donne à ses enfants. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Parce que le peuple, est-ce que le peuple de Dieu est là? Alléluia. Satan, est-ce que le peuple de Dieu est là? Alléluia. Si le peuple de Dieu est là, lève-toi, tu acclames le Seigneur Jésus. Tu acclames le Seigneur Jésus.
Jésus. Clap le Seigneur Jésus. Chrétien de la fin des temps, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Aucun avantage. Chrétien, obéis à ton conducteur. Obéis à ton leader spirituel. Obéis à ton dirigeant. Obéis à cela que le Seigneur a placé devant toi. Qu'il soit petit ou grand. Alléluia. C'est très important. La Bible est très claire. La Bible est très claire. Est-ce que donc tu obéis à tes conducteurs? Est-ce que tu as pour eux du respect? Est-ce que tu as du respect pour tes conducteurs que le Seigneur a placé devant toi? Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Est-ce que tu les respectes? Alléluia. Peuple de Dieu, c'est que qu'on a remarqué, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de la considération pour leur leader spirituel. Beaucoup n'ont pas, c'est-à-dire du respect pour leur conducteur. Pour leur conducteur. Attends un peu. Nous tous, avant de venir ici, chacun était quand même quelque part. Alléluia. Chacun était quand même quelque part. Même si tu n'étais pas dans une congrégation, communauté quelconque. Là où tu étais là, même si c'est un groupe, même si c'est une société, il y a quand même, c'est-à-dire les dirigeants. Alléluia. Partout c'est comme ça. Et lorsque vous voyez là où vous étiez là, je crois que, c'est-à-dire, il y avait tellement c'est-à-dire du respect. Enfin, le conducteur. Qu'il soit dans le feu, tout ce qu'il dit, qu'il soit bon frère. Alléluia, tu vas simplement t'aligner, tu vas simplement garder le silence et tu écoutes, et c'est tout. Alléluia, mais malheureusement, c'est qu'on observe, aujourd'hui, dans la Sainte-Opine, nous sommes bénis, tu es béni dans la Sainte-Opine, tu es béni, le Seigneur t'a mis. Tu as été convaincu, c'est vraiment à cette doctrine. Parce que tu veux travailler pour ton salut avec crainte et tremblement. Tu veux travailler pour ton salut, pour sauver ton âme. Mais malheureusement, ce qu'on observe, c'est comme si on a mis, ça dit, injecté quelque chose, ça dit, dans le sang, ça dit, des âmes, c'est tout dans un remède. Quel mot parce que j'ai constaté. Alléluia. Ça dit, comme Pierre-Jules. Comme Chicago, les conducteurs, comme ça dit, comme les pâtes, n'importe quoi, ça dit, il y a même un peu de respect. Alléluia. Peuple de Dieu, fais très attention. Il y a le manque du respect, l'insolence, l'insubordination. L'insubordination. Voyez, dans les autres églises, ça se passe pas comme ça. Alléluia. Ça dit, ton leader, c'est la Bible dit, lui, ça dit il veut sur ton âme. Il veut sur ton âme, c'est-à-dire si tu lui manques du respect. Si tu lui réponds comme si c'était quelqu'un de lui, tu lui manques du respect, c'est-à-dire comme si c'était ton égard, comme si c'était ton camarade. Pardon, le père du respect. C'est-à-dire que tu te fais à quoi? Ou tu veux aller au ciel. C'est ça? Alléluia. Mais je ne crois pas que ce n'est pas le ciel
le ciel. Dis Seigneur Jésus, où tu veux aller. Alléluia. Ça, c'est pas celui manque du respect. C'est vos conducteurs sont ceux qui veillent sur. Alléluia. Tout ceci, c'est lié à l'insoumission, c'est lié, c'est-à-dire au caractère des rébellions. Tout ceci, c'est parce que le vieil homme est encore là. C'est parce que le vieil homme est encore là. On se demande même que, mais tous ceux-là qui sont venus, n'est-ce pas, ils sont venus dans la fête de Dieu, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que nous sommes sur quel terrain? C'est nous sommes dans une course du roi Péton où tout le monde veut enseigner, tout le monde veut se lever et parler, tout le monde veut dire, tout le monde veut parler, mais finalement, c'est une question totale. Où est la discipline? Alléluia. Où est la discipline? Où est l'ordre? La discipline. La discipline, même si c'est ton leader qui débat. Pour que tous les temps d'écouter, tu écoutes. Alléluia. Garde le silence. Garde le silence. Ne va pas dire que tu es bon. Alléluia. Gardez le silence, je ne veux pas dire que tu es tellement rabaissé. Gardez le silence, je ne veux pas dire qu'on t'a salué rabaissé. Gardez le silence, je ne veux pas dire que tu es négligé. Non, si tu gardes le silence, c'est simplement parce que tu ne veux pas. C'est-à-dire que tu sois affiché. Alléluia. Dans la maison de Dieu. La maison de Dieu et surtout dans le réveil. Surtout dans le réveil. Et surtout les femmes, les sœurs, qu'on remarque beaucoup ces choses. Qu'on remarque beaucoup ces choses. Les hommes, c'est pas comme ça. Quand vous voyez dans le groupe, ça dit tel n'importe quoi. Ça dit tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut enseigner. Où est ton homme? Même celles qui sont mariées. Mais qu'est-ce qu'il te dit la Bible? S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu es marié, va. Si ton mari est dans la foi, va présenter ces choses à ton mari. Alléluia. Mais tu es ton mari, tu sors de Dieu, tu parles, c'est devenu une agression spirituelle à une autre personne. Tu sors ton mari. C'est quel comportement? Ce n'est pas la rébellion, ce n'est pas la soumission. Vous voulez qu'on écrit celui sur toi qui te dit l'insoumission. C'est le monde peut-être comment? C'est le comportement de la conduite. Qu'on détecte, c'est l'insoumise. Alléluia. C'est très important. Le Seigneur veut que ses enfants changent. Changent. Les caractères, les comportements. Et c'est la même chose, c'est ce qui s'est passé avec Myriam. Alléluia, Dieu n'a pas changé. C'était toujours le même raisonnement. Alléluia, fais comprendre à moi que comme toi tu dis que Dieu te parle, nous aussi, Dieu nous parle. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Et c'est ce que tu dis. Je ne suis pas convaincu. Je vais d'abord aller consulter mon Saint-Esprit. Tu vas consulter ton Saint-Esprit. Dis ton Saint-Esprit. Tu vas poser ton Saint-Esprit. Si ton Saint-Esprit ne te dit que tu ne te convainc pas, et puis tu rejettes, c'est que ça dit ton continuer te donne ton conseil. Alléluia. C'est quel Saint-Esprit, c'est quel esprit qui t'a dit? Mais on ne comprend pas. C'est le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit qui parle la douceur là, la soumission. Tu connais, tu es aussi spirituel. Que d'ailleurs, c'est le même Saint-Esprit. Nous avons aussi le Saint-Esprit comme les hommes de Dieu. N'est-ce pas, vous avez le Saint-Esprit? Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Alléluia, c'est ça. Voici l'auteur. Ça prouve peut-être que ça dit du mauvais caractère. Ça dit, c'est une rampe. Ça dit des épées, des cailloux et des idoles du cœur. Changer. Ton leader te parle.
on lui raisonne. On se justifie. On lui montre que c'est des trucs qu'il connaît. C'est ça, c'est pas comme ça, peuple de Dieu. C'est pas bon. C'est pourquoi le Seigneur veut que votre conduite change. Que votre conduite change. Si tu gardes le silence, si tu écoutes, c'est que ton conduite te tue. Ça ne va rien diminuer sur ta personne, sur ta personnalité. Ça ne va rien enlever sur toi. Ça ne va rien enlever sur toi. Alléluia. Qu'il soit petit, qu'il soit même si c'est ton fils, que tu l'as accouché, si le Seigneur a placé ton, qu'on n'est pas soumis toi. Si tu fais le bras de fer, que toi aussi tu connais. Que toi aussi tu as beaucoup fréquenté, tu connais. Oh, que tu connais. Et quand le Seigneur va dire ça, c'est toi que le Seigneur va frapper. Alléluia. De la même manière qu'il a frappé, c'est-à-dire des lèvres, Myriam. Le Seigneur a toutes les manières, toutes les possibilités de te prendre en charge. Parce que tu peux avoir peut-être des problèmes avec une autre personne, mais avec un loin de Dieu, c'est à Dieu lui-même que tu as problème. Et si tu te comportes ainsi envers ton leader, envers ton conducteur, je vais te rassurer, c'est-à-dire le ciel, ça sera difficile pour toi. Alléluia. Le ciel. Garde le silence. Tout simplement. Tout ceci, c'est parce que le vieil homme est en connaissance. Parce que l'orgueil est là. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde veut enseigner. Si tout le monde veut enseigner, finalement, ça sera quel monde? Alléluia. Où tout le monde veut enseigner, tout le monde veut raisonner. On va se retrouver où? On ne comprend même pas. Peuple de Dieu. Les caractères, les comportements. Moi aussi, je ne peux pas me laisser faire. Moi aussi, je connais. Si spirituel, je connais la parole de Dieu. Si tout le monde te connaît. Si tout le monde te connaît. Qui va faire l'œuvre de Dieu? Si tout le monde connaît. Si tout le monde s'élève, tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut parler. Qui va conduire l'autre? Qui va continuer? Alléluia. Le Seigneur veut que tu changes tes caractères, tes comportements et ton langage. C'est pourquoi il te dit sois prudent. Te conduire avec circonspection. Avec circonspection. Les caractères, parce que tous ces gens de caractère, c'est vraiment les caractères de Jézabel. C'est-à-dire qu'on parle de Jézabel, c'est-à-dire que Jézabel n'est pas la copine de Jézabel et Akona. Alléluia. Quand on voit, c'est-à-dire les caractères, c'est-à-dire la colère, la rébellion, c'est Jézabel. C'est Jézabel. Et pour que ces caractères ne soient pas changés, tu ne peux pas entrer au ciel. Devant le portail du ciel, on peut se dire mauvaise conduite. Alléluia, mauvaise conduite. Et ces gens se colonnent par Dieu. Mauvaise conduite, ça dit y compris comportement, caractère, mauvais langage, tout. Tout ce qu'on fait, ça dit, le Seigneur nous prépare. Si le Seigneur nous a mis ici, c'est pour que chacun se prépare pour le ciel. Et pour se préparer pour le ciel, il faut que le comportement change. Il faut que le caractère change. Alléluia. Si tu manques le respect à ton leader spirituel, tu vas alors compter sur quoi? Compter sur qui? Tu vas alors compter sur qui? Tu vas alors compter sur qui? L'indiscipline, ces choses, ça ne se passe pas dans le milieu. Ça ne se passe pas dans le milieu militaire. Voyez, le militaire, ça dit c'est l'ordre de la discipline. Alléluia, c'est comme ça. C'est comme ça.
Si ton leader même te dit c'est tu gardes le silence, c'est tout. Même si tu sais que tu as raison. Même si tu sais que ce qu'il dit là n'est pas vrai, tu gardes le silence. Alléluia, ça n'enlève rien sur toi. Ça ne diminue rien de ta personne. Ça ne diminue rien de ton niveau de foi ou ton niveau de spiritualité. Ça n'enlève rien. Alléluia, tout au contraire, tu gagnes. Amen. Tout au contraire, tu gagnes. Il y a l'indiscipline, les désordres dans la maison de Dieu, les mauvais caractères, les mauvais comportements. Et à cause de toutes ces choses, tu ne peux pas entrer au ciel. À cause de tes mauvais comportements, tu ne peux pas entrer au ciel. À cause de ton mauvais langage, tu ne peux pas entrer au ciel. Tant que tu ne changes pas maintenant où tu vis encore, c'est le moment de préparation. C'est le moment où le Seigneur veut préparer son église. C'est le moment où le Seigneur veut préparer son église pour le ciel. Parce qu'il a raisonné que tant que la conduite n'est pas changée, il y a encore du travail à faire. Tant que la conduite n'est pas changée, il y a encore le travail à faire. Ces anciens rebelles, c'est-à-dire c'est les disciplinés, c'est-à-dire qui ne dit pas son nom. Les personnes, c'est-à-dire dans le groupe, vous allez voir quelqu'un, je ne sais pas, ou si c'est un seul ou c'est un enseignement, il envoie ça qui est mort, boum. C'est-à-dire seul, les gens sont seulement étonnés, surpris que ça apparaît comme ça. Mais cette brebis n'a pas de leader, n'a pas de conducteur, ou elle-même s'est conduite, elle s'est conduite elle-même seule. Les gens sont seulement étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'indiscipline. Et tu crois qu'avec cette manière de faire, tu vas entrer au ciel comment? Alléluia. Je crois que chacun, avant de venir ici, tu étais comme quelque part. Mais tu avais, c'est-à-dire la discipline. Tu avais la discipline. Parce que on ne l'oublie pas. C'est vrai que le Seigneur, bien Dieu est d'amour, il y a aussi la rigueur. Il y a aussi la rigueur. Vous allez voir cette vie dans ses repères où quelqu'un s'est dit, on le met sous discipline. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un sous discipline sans qu'il est cause? Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un sous discipline sans qu'il est motif? Il y a une cause. Si maintenant on te met sous discipline, est-ce que c'est pour te faire du mal? C'est pour te faire du bien? C'est pour t'amener à prendre conscience de ce que tu as fait et de se repentir devant le Seigneur et changer. Mais malheureusement, comme c'est l'époux du roi Péton, oh, l'époux de Jésus, c'est un lieu de libertinage. C'est un lieu où tout le monde, chacun peut venir, puis danser, puis tercer, c'est-à-dire tout se manifester son mécontentement après. Bah! On te met sous discipline, tu prends tes pieds, tu t'en vas. Et je vais te rassurer, je vais te dire, tant que cette discipline, parce que c'est des choses spirituelles, c'est une vie parallèle. Là où cela a été prononcé, quel que soit le milieu de là où cette discipline a été prononcée, si cette sanction n'est pas levée par ceux-là qui l'ont prononcé, là où tu pars là-bas, tu pars, tu fais 1000 ans. J'ai dit, tu pars là-bas, tu fais 1000 ans, tant que tu ne reviens pas. La lettre est toujours là. Alléluia. C'est vrai, Dieu était Dieu d'amour. C'est-à-dire pour le moment, comme il n'y a rien. Tu vas croire que nous tout ça va bien. Mais tu seras coincé devant le portail du ciel. C'est là où on va te faire la rétrospection. Regarde là où il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Dans tes années.
Est-ce que tu as oublié ça? C'est déjà trop tard. Comme tu pensais que c'était le plat. Comme tu pensais que non, c'était. Ah, ce sont les enfants. Bon, ils sont juste aussi bien comme ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alléluia. Si tu peux me dire, tant que tu ne reviens pas, c'est cette lèpre est toujours là. Mais tu n'as pas le Dieu. Ce que vous lierez sur la terre est lié au ciel. Alléluia. Ce que vous avez lié est aussi lié au ciel. Comment ton Dieu va s'aller enlever et que c'est que le Dieu, c'est-à-dire, il n'est pas un Dieu de justice. Comme toi, il est un Dieu de justice, il ne fait point exception des personnes. Et il fait à ce que sa parole soit appliquée sur tout le monde. Alléluia. Sur tout le monde. Je suis libre, pas de protocole derrière moi. Je suis libre de venir. On ne fait pas comme ça. Alléluia. Si je te comporte ça, c'est pour que tu es indiscipliné, tu es soumise dans la maison de Dieu. Et que le Seigneur va simplement te calmer, c'est qu'il est rebelle. Et que Dieu n'a pas le Dieu. Tous les rebelles ne trompent pas le royaume de Dieu. La rébellion fait quoi? La rébellion, c'est en fait s'opposer, c'est-à-dire aux décisions prises. Aller à l'encontre. Faire ce qui ne te semble pas. Tu ne veux pas, c'est-à-dire marcher selon, c'est-à-dire selon les directives, selon l'ordre qui est donné. C'est simplement tu es rebelle. Le groupe ou avant de quitter le groupe, avant de quitter, il crée le scandale. On crée le scandale avant de partir. Est-ce que c'est ça le fruit du Saint-Esprit? Mais si tu veux partir, comme tu es venu, et tu es aussi libre, et tu passes le moment, tu crées le scandale. Ou toi, avant de partir, il combat. Il envoie des séances. Le forum avant de partir. C'est quel esprit ça? C'est toujours c'est pour aller au ciel, entrer au ciel. Je ne crois pas. Alléluia. Soyez sains dans toute votre conduite. Qui sont des dirigeants, qui sont comme un peuple de notre côté. Le Seigneur, la hiérarchie, elle est pas spirituelle. Vous voyez la hiérarchie. C'est comme ça que Dieu a réglementé les sociétés. Dieu est ordonné, c'est-à-dire de manière, il ne veut pas, c'est-à-dire qu'il y ait des désordres. C'est pourquoi vous voyez dans sa maison, c'est-à-dire qu'il place tel à sa place, l'autre à sa place. Et tout ceci, c'est pour sa gloire. Et il fait que l'homme règne. C'est là où il y a le désordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Là où il y a l'indiscipline. Le Saint-Esprit va se manifester comment? Le Saint-Esprit n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu d'indiscipline. Le Seigneur se manifeste là où il y a la discipline. Là où il y a l'ordre. Et toutes ces choses désordre, c'est lié au caractère. Au caractère. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, c'est des règles que nous lisons tous les jours, que les songes, les visions, les prophéties, les mots doivent être confiés aux responsables de l'Église, doivent être confiés aux dirigeants de l'Église. Mais malheureusement, tu reçois une chose. Ces choses-là, ça crée la peur. D'autres même divisent. Tu vas aller directement vers la personne. Est-ce que ces songes-là, est-ce que ça vient de Dieu?
ne vient pas de Dieu, qui ici peut dire qu'il a dormi, il n'a pas eu de son, il n'a pas eu de rêve. Tout le monde a le rêve. C'est pas ça. Tout le monde. Si on va se permettre à rapporter les sons et les rêves, c'est, nous allons passer, c'est-à-dire toute la journée ici. L'autre va venir, c'est-à-dire dans la nuit, là, tout ce qu'il a reçu, là, tout le monde a eu des rêves. Mais finalement, ça va se représenter à quoi? Alléluia. Tu peux recevoir peut-être des sons, des choses que toi-même tu as vécues, ou toi tu as imaginé, il y a passé en journée, mais toi quand ton sommeil, ça revient. Alléluia. Si ça revient, est-ce que tu sais Dieu qui t'a parlé dans le son? Ou des choses même que toi-même tu as fait, ça n'est pas acte, pas action. Ça revient, ça arrive, non? Ça n'arrive pas. Je crois que tout le monde, quand il dort, c'est le matin, on est. Quelqu'un a quand même mis le sort, c'est pas ça. C'est pour cela que le Seigneur veut. C'est que toutes ces choses soient examinées. Les sorts, visions, prophéties, tout ça. Soit examiné. Parce que tout ne vient pas de Dieu. Alléluia. Parce que tout ne vient pas de Dieu. Maintenant, on laisse les responsables. On part, c'est-à-dire à graisser directement l'âme concernée, la brebis concernée. Et ça crée les troubles. Ça trouble sa voix. Ça va venir créer tout, troubler sa voix, ou même basculer sa voix. Parce que Dieu bénit, c'est aussi une sémence. Quand elle va écouter, ça trouble sa voix. À cause de ce que tu as reçu, soi-disant, son. Pourquoi le Seigneur veut que dans sa maison, qui est dans l'ordre, va soumettre ça au serviteur de Dieu, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Voici ce que tu as reçu comme son. Tant, point. C'est bon. Tu n'as pas salé à ce niveau. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur aussi est intégré dans sa maison. Il ne veut pas que il prédit prendre l'initiative d'organiser sa une délivrance ou mettre quelqu'un sur son programme sans informer les hommes de Dieu. Sans informer les hommes de Dieu. C'est la rébellion, ce n'est pas la rébellion. Quand maintenant, tu mets quelqu'un sous discipline. Et quand tu mets quelqu'un sous programme, et toi-même tu commences à prier pour lui, ça délivrance chez lui. Si les esprits connaissent vont commencer à se manifester, est-ce que tu vas t'en sortir? Alléluia. Pourquoi le Seigneur veut tout se passe dans sa maison? Alléluia. Tout se passe dans sa maison. Et les dirigeants sont bien placés pour voir, c'est-à-dire pour comprendre le problème spirituel, la situation spirituelle de cette âme. Et le Saint-Esprit va les conduire, de les conseiller de comment il va prendre son programme. Et si tu prends l'initiative de faire, c'est pas mal. C'est la rébellion. Rébellion. Le Seigneur veut que le peuple de Dieu change. Le Seigneur veut que le comportement change. Le Seigneur veut que les caractères changent. Le Seigneur veut que ta conduite change. Alléluia. C'est très important. Vous allez voir, comme tout le monde vient enseigner dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que dit la Bible? La femme ne doit pas, ça dit enseigner. Alléluia. Vous voyez, toute chose est d'abord spirituelle avant de se matérialiser. Quand tu vas voir, soit dans les réseaux sociaux, ça dit une femme est censée, ou d'autres même sur le pipi, est censée, elle prend la Bible, elle commence à parler, shalom, 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 peuple de Dieu.
Et voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Je vais vous exhorter, je vais vous parler peut-être des thèmes et comment un par un par. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de danser. Alléluia. On ne confond pas les choses. Parce que même si c'est dans les réseaux sociaux, même si c'est dans les réseaux sociaux, faites très attention, il faut faire pour la part des choses. C'est parce que de nos jours, tout le monde dit, tout le monde connaît. Tout le monde veut parler. Tout le monde connaît. C'est ça alors le problème. C'est ça alors le problème. On ne connaît pas tout. Même si tu connais, écoute ce que l'autre est en train de te dire. Alléluia. Prends ce qui est utile pour toi. Ce qui n'est pas bon, et puis tu rejettes. Voilà un chrétien sage. Que de commencer directement à se manifester. Non, non, non. Ce que tu dis, moi je connais déjà, donc je n'ai pas besoin de t'écouter. Non. Tu commences aussi à te justifier. Tu commences aussi à me raisonner. Qui est pas grave. Alléluia. Voyez, l'ennemi est tellement rusé. Il est tellement rusé. Il veille. Parce qu'il voit, il calcule les enfants de Dieu. Comme vous voyez, vous parlez toujours de la sainte doctrine, alors que le comportement, la conduite n'est pas encore changé. Il calcule qu'elle mourait dans vos mauvais comportements, mauvais caractère pour voir. C'est là où il va créer une livraison. Comme il se dit, ils sont dans la sainte doctrine. Comme il se dit, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Alors que le comportement n'est pas encore changé. Alors que le vieil homme est encore là. Et il croit qu'il peut entrer dans le paradis de le Père. Ciel qu'on va te coincer à cause des caractères. Beaucoup vont rater le ciel. Le caractère, vous assure, le caractère. Et à cause de tes caractères, beaucoup vont également rater les grâces. Là, je vous le dis. À cause des mauvais comportements, des mauvais caractères, tu rates tes grâces. Alléluia. Si par exemple, toi dans ton cœur, tu décides de te marier, je peux te dire ça. Alléluia. Officiellement. Ou qui désire se marier. Maintenant, quand on va nous regarder, on va voir. C'est-à-dire, on voit, c'est-à-dire, les caractères. Est-ce qu'on va donc, c'est-à-dire, à cause peut-être de ces caractères qui sont encore là. Et quand on va dire, nous voilà les caractères. Voilà ces caractères. Est-ce que ces frères auront encore le courage, c'est-à-dire, de l'approcher? Ou de se lier avec toi et souffrir dans son foyer. Alléluia. Quand vous voyez le foyer brisé, le foyer c'est une sous-tension, le foyer, il y a des problèmes, des craintes, des disputes de mots, tout simplement parce que les caractères ne sont pas changés, ne sont pas travaillés. Avant de s'engager dans le mariage, il faut d'abord travailler tes caractères. Et tes caractères disent beaucoup de choses. Si tes caractères ne sont pas travaillés, la grâce, peut-être la grâce du mariage est là. Mais ça se délocalise. Alléluia. Ça se délocalise. Tu vas croire, tu vas dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe?
question. Est-ce que mon comportement, quelle est ma conduite dans la maison de Dieu? Alléluia. Si tu te rends compte que tu t'examines, tu rencontres que tu as encore le mauvais caractère, il y a encore le mauvais comportement. C'est ça. Et si tu détectes, mets-toi au travail. Alléluia. Mets-toi au travail. Si tu es une fille, mets-toi au travail. Fais comme Abigail dans la Bible. Fais comme Sarah dans la Bible. Alléluia. Il y a plein des exemples des mamans dans la Bible qui ont marqué les générations. Alléluia. Qui sont priées par le bon comportement, par les bonnes conduites. Et qui ont servi le Seigneur. C'est-à-dire finalement dans la soumission totale. Il y a d'autres même qui appelaient, c'est-à-dire leur mari, mon Seigneur. Alléluia. Mon Seigneur. C'est-à-dire la soumission est à un niveau très élevé. La soumission est à un niveau très élevé. Le caractère. Si les caractères ne sont pas changés, ne sont pas travaillés, tu vas rater ta case de mariage. Moi, je t'assure. Même quand il y avait des séminaires sur le mariage, c'est-à-dire, le Saint-Esprit a encore progressé sur les caractères, les caractères, les caractères. Ça prouve qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la vie des enfants de Dieu, de ces femmes de femmes qui désirent aller au ciel. Ils désirent aller au ciel, mais remplir encore les mauvais caractères. Ils désirent aller au ciel, mais le mauvais comportement ne s'est pas changé. Ils désirent aller au ciel, mais la conduite, c'est encore la même chose. La mauvaise conduite. Alléluia. C'est très important. La sainteté est liée à toutes ces choses. La sainteté est liée à la conduite. Au travers de la conduite, qu'on va détecter en toi ce que tu es vraiment l'élu de Dieu. Alléluia. Apprenez le peuple de Dieu de bonne manière. De bonne manière. C'est tout ça. Même si tu veux. Si tu veux t'absenter, alléluia. Ça te coûte quoi peut-être d'informer ou même d'envoyer le message? Ou à ton dirigeant? Est-ce qu'on va t'empêcher de voyager? Est-ce qu'on va t'empêcher de faire ou peut-être c'est pas? Ou si tu as une préoccupation, est-ce qu'on va t'empêcher? Tout au contraire, on va prier pour toi. Et quand tu t'en vas, vous voyez, même les églises de la voie, là, je vous dis, il y a les bonnes manières. Il y a les bonnes manières. Bonne chose qui se passe là-bas. Tournez pas fou. Tournez pas fou. Alléluia. Tournez pas fou. Et vous allez un peu constater, malgré les conseils qu'on parle, on vous dit, Dieu vous dit de rester. Je vous dis de rester à votre poste, à votre place, là où vous voulez que tu demeures. Mais les autres ne veulent pas rester. Il y a d'autres qui sont même ici, et aussi un pied de l'autre côté. Parce que les spirituels, ça ne se mélange pas. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre, c'est-à-dire entrer au ciel, ou c'est-à-dire ton esprit est ici, tes pensées sont ici, et tu es encore de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est à quelle église, mais finalement, tu appartiens à quelle communauté. Quand la trompette sonne, finalement, tu es où? Alléluia. Ça, c'est la loi spirituelle, ces choses-là, c'est comme ça. Si tu es convaincu que c'est ici, mais demain, mais un peu ici, un peu de l'autre côté.
mais finalement, c'est une chauve-souris. Tu es une chauve-souris. Donc on va te considérer comme si la trompette sonne. On va dire que elle appartient, elle était où? Soyez sages. Soyez prudents. Dans toute votre conduite. Parce que quand, si vos dirigeants vous disent non, ce que tu fais là n'est pas bien, il faut faire très attention. Écoute. Écoute. Ça n'enlève rien sur toi. Tu écoutes simplement. Et ça sera bénéfique pour toi. Si ton dirigeant dit que non, manière que tu parles là-bas, tu écoutes là-bas, tu vas recevoir des mauvaises semences. Les semences que tu vas recevoir là-bas, ça va te mordre. Va commencer à se raisonner. Non, moi je suis spirituel, j'ai la foi, je connais ma foi, j'ai une foi claire, moi je me connais. Tu ne te connais pas. Alléluia, je ne te connais pas. Cette semence que tu vas recevoir là-bas, là-bas, c'est ça qui va te mordre. C'est ça qui va t'amener à l'égarement. C'est ça qui va t'amener à l'égarement. Et si tu écoutais les conseils de tes conducteurs, ça pourrait être bénéfique et avantageux pour toi. Alléluia. Lisons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 à 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 à 13. Nous vous prions. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Vous qui vous dirige, alléluia, ceux qui vous dirige, c'est-à-dire vos leaders, vos conducteurs. Alléluia. Le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste, l'apôtre, vos conducteurs, ceux qui vous dirigent, ayez de la considération pour eux. Ayez de la considération pour eux. Et la Bible dit qu'il vous exhorte, qu'il vous enseigne, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Lisons également 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Un Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. De même, vous qui êtes jeunes, alléluia, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Alléluia, autrement dit, soyez soumis à vos dirigeants. Soyez soumis à vos leaders. Soyez soumis à vos conducteurs. Et tous dans vos rapports mutuels. Et la Bible dit encore, répétez-vous d'humilité. C'est que le Seigneur veut que ses enfants, alléluia, que chaque enfant de Dieu revêt d'humilité. Revêt d'humilité. J'étais en train de dire, un vrai enfant de Dieu qui épouse, c'est-à-dire la nature de Jésus-Christ. La nature de Jésus-Christ, c'est quoi? La nature de Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est l'humilité. C'est la justice. La douceur. La bienveillance, c'est la tempérance, la bonté. Voici tout.
ces choses qui caractérisent notre Seigneur Jésus, qui est notre modèle. Alléluia. Le Seigneur veut, si tu peux, avancer avec Christ. Et la nature du Seigneur Jésus épouse les caractéristiques d'amour, épouse les fruits du Saint-Esprit. C'est très important. Parce que quand le Saint-Esprit, quand on dit le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu manifestes ce mauvais comportement? Le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté. Alléluia. C'est-à-dire quand il y a le mauvais caractère, quand on voit le mauvais comportement, on peut douter, c'est-à-dire le Saint-Esprit dont tu parles. Alléluia. On peut écouter le Saint-Esprit dont tu parles. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus, l'esprit de Père. C'est l'esprit de douceur et d'humilité. Mais on voit encore le mauvais caractère. Mais c'est quel Saint-Esprit? Quel est ce Saint-Esprit qui te pousse à manquer du respect? Qui te pousse à être insoumis, à être rebelle aux décisions, à être rebelle, c'est-à-dire à te conduire? Qui te pousse à te mal comporter envers tes frères, envers tes soeurs? C'est que Saint-Esprit ça. Alléluia. En vérité, un enfant de Dieu ne parle pas beaucoup. Alléluia. Tu écoutes beaucoup, mais parle moins. Écoute beaucoup, parle moins. Même si quand je dis ça, tu connais, garde le silence. Et je vais encore le dire, garder le silence ne veut pas dire que tu es celui de rabaisser ou autre chose fille. Ou si tu gardes le silence, ou parce que ça dit ça va te rabaisser, ça va te diminuer, ou le propre, la honte va te prendre, loin de là. Tout simplement parce que tu veux recevoir quelque chose de plus. Tout simplement parce que tu veux, c'est-à-dire, avoir une bonne image pour qu'on ne sache pas. Mais malheureusement, parce que quand on voit, c'est-à-dire, prévenir ce qu'on connaît ici, on a déjà une image, c'est-à-dire, on détecte rapidement, c'est ça. C'est-à-dire, au travers des caractères, c'est ça qu'on t'identifie également, c'est-à-dire, ta vie spirituelle, ton identité spirituelle. Alléluia. On n'a pas besoin peut-être de dire que le Seigneur révèle moi. Non, au travers des comportements, c'est bon, j'ai des dignités, amen. C'est comme ça. On n'a pas besoin que le Seigneur nous révèle voici l'identité spirituelle de la personne, voici la vraie face de la personne. Non. Au travers des comportements et des caractères, c'est bon, distingue et on détecte. Lisons également Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 4, verset 5. Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Alléluia. Si le Seigneur nous parle dans sa maison, conduire telle conduite dans sa maison. Et ça veut dire également, même dehors, avec ceux du dehors, il faut également, c'est-à-dire une manière de te conduire envers le païen. Il faut une manière de se comporter envers ceux-là qui t'entourent. Il faut une manière, c'est-à-dire d'agir, de parler envers ceux-là qui t'entourent.
c'est ça comme va témoigner de toi que celle-ci est vraiment un enfant de Dieu, que celui-ci est vraiment changé, celui-ci est vraiment transformé, que son Dieu qui sert est un vrai Dieu, son Dieu qui sert est le Dieu vivant, c'est un Dieu de paix. Parce que ça, on peut toi ressentir ça à toi, on peut voir ça à toi. Alléluia. On doit voir toutes ces choses-là en toi. C'est juste avec ta conduite. Juste avec ta conduite. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, comment il faut répondre à ton frère. Il faut savoir comment répondre. Il faut savoir comment répondre à ton aîné. À ton aîné dans la foi. Ou à ton aîné biologique. Il faut savoir comment répondre à ton conducteur. Il faut savoir comment répondre à chacun. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a mis chacun. Elle n'a pas précisé. Il faut savoir comment répondre. On dit chacun, ça peut être ton frère, ça peut être ton aîné. Ça peut être ta maman, ça peut être ton père. Ça peut être ton leader. Il faut savoir comment lui répondre. Alléluia. Nous allons également lire Jacques. Lisons Jacques chapitre 3, verset 13. Jacques chapitre 3 verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Voici à ce niveau d'essayer précis. Par une bonne conduite. Alléluia. Il y a la mauvaise conduite. La mauvaise conduite, c'est ce que le Saint-Esprit a dit, le mauvais caractère, le mauvais comportement. Dans la maison de Dieu ou même ailleurs, la bonne conduite. Et avec quoi? La bonne conduite avec douceur. Avec la douceur des sagesse. La sagesse. Lisons également 1 Pierre chapitre 2, verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayant mis les païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Ayant au milieu des païens une bonne conduite, voici précision, une bonne conduite. Ayez au milieu de païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, où ils vont vous accuser, où ils vont vous accuser, mal parler de vous à cause de l'homme que vous portez, à cause des statuts d'être chrétien. Les non-chrétiens que vous portez, ils vont mal parler de vous, ils vont vous calomner à cause de ces noms. Alléluia. Par votre bonne conduite. Et la Bible dit, si vous calomniez, comme si vous étiez des malfaiteurs, quand même, ils vont remarquer, c'est-à-dire votre bonne soeur, par votre conduite, par votre bon comportement, par votre, c'est-à-dire vos caractères, par vos bonnes habitudes. Il faut quand même remarquer ces bonnes œuvres au travers les fruits que vous portez et ces païens, et ils vont glorifier le Seigneur. Alléluia. Mais pour qui glorifions le Seigneur si ta conduite est mauvaise? Ils vont glorifier le Seigneur comment? Tout au contraire, le nom du Seigneur Jésus sera blasphémé à cause de toi. À cause de ton mauvais comportement, à cause, c'est-à-dire de ton langage, de ta
mauvais caractère que tu affiches. Il faut blasphémer le nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur continue en disant, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir le malfaiteur et pour approuver les bien, les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensé. Alléluia. La bonne conduite. Ayez la bonne conduite au milieu des païens. Ayez la bonne conduite dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Soyez seul dans toute votre conduite. Et il dit que votre conduite soit bonne. Alléluia. Ça fait partie vraiment de la sanctification. Ça, c'est un élément de la sanctification. Pour dire qu'on n'a pas touché le développement, qu'on n'a pas touché le cœur. C'est très important. Si la Bible parle de la conduite, c'est-à-dire, si on ne le respecte pas, tu peux rater le ciel. À cause de ton comportement. Juste le comportement même. Pourtant, tu étais enfant de Dieu, tu étais dans la maison de Dieu. À cause, c'est-à-dire les caractères, comment tu réponds aux gens? Quelle est ta manière, c'est-à-dire de répondre aux gens? Tu parles, quelle est ta manière de parler? Tout ceci, c'était pour que l'on s'insiste à tes paroles. Amen. Ça, c'est moi. Et si on était en toi, on n'a pas besoin de nous dire, comment est ta conduite dans la maison de Dieu. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur est un Dieu de discipline, est un Dieu d'homme. Quand le Seigneur va vous faire les statistiques, la conduite, il va prendre le nom de tel. La conduite, il va te noter combien. Chacun peut avoir combien de conduite. Si le Seigneur veut attribuer la nôtre. La question est à tout le monde. Si le Seigneur descend et dit, voici mon peuple, voici son église, voici la conduite. Ou toi-même intérieurement, tu peux, ça dit, croire que le Seigneur peut t'attribuer combien de nôtres. Dans la conduite. Oui, frère Tis. Selon moi, si le Seigneur descend, ne peut avoir zéro sur 20. Alléluia, zéro sur 20, comme conduite. Ça dit ça, ça prouve qu'il y a encore à faire. Alléluia, ça prouve qu'il y a encore à faire. Qui doit recevoir encore deux ou trois personnes avant qu'on le conduise. Deux ou trois autres personnes, rapidement. Frère Jean, donne le micro. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je peux dire que je peux avoir 10 sur 20. 10 sur 20. Comme continue. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses. Si nous sommes dans le cadre de la conduite, nous ne sommes pas au cadre de la conduite. C'est tout ce qui a été dit, c'est dit que la conduite regorge comme comportement, comme caractère. Donne le micro. Oui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Moi, si le Seigneur vient devant moi, il me regarde. Bon, sincèrement, moi je sais que il va m'apprécier et il va me dire va de l'avant, ne te décourage pas. Parce qu'à cause de ce que mon cœur est totalement ouvert à lui, je suis entièrement disposé à faire ce qu'il me demande de faire. Amen.
Gloire à Jésus. Donne encore le micro à la dernière personne. La note spirituelle dans la conduite. Oui. La bien-aimée Marie-Élisabeth. Aujourd'hui, comme
tu es Dieu d'amour et tu m'aimes. Pourquoi tu m'as vécu en ces jours de changer? Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, voici Seigneur Jésus, ta parole au Dieu qui a été semée. Voici ta parole au Dieu qui a été prêchée. L'éternel des amen. Seigneur Jésus, tu nous fais comprendre, mon Dieu. Tu nous fais comprendre que nous devons changer. Tu veux que ton peuple change le caractère, change le comportement. À cause du comportement, à cause de mauvaises conduites, Seigneur Jésus, tu as été au Dieu limité à cause de mauvaises conduites de ton peuple. Seigneur, je te prie de pardonner ton peuple. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple. Seigneur, pardonne ton peuple. Seigneur, qui, au Dieu, t'a invité à cause de le mauvais caractère. À cause, au Dieu, des caractères de rébellion, des caractères d'insoumission, des caractères d'insubordination, des caractères de rebelles. Seigneur Jésus, ils ont manqué de respect. Ils ont manqué de respect à leurs dirigeants. Ils ont manqué de respect. Ils se sont justifiés. Ils se sont donné des faux raisonnements. Ils se sont donné des fausses justifications. Ils se sont donné des faux arguments. Seigneur, je te prie, pardonne-nous. Pardonne ton peuple au nom de Jésus. Seigneur Jésus, pardonne ton peuple de leur mauvais caractère, de leur mauvais comportement, de leur mauvaise attitude. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, tu nous fais comprendre. Seigneur, si tes enfants ne changent pas leur caractère, ne changent pas leur comportement, si tes enfants ne changent pas leur manière de faire, leur manière d'agir, s'ils ne changent pas, oh Dieu, leur manière de parler, le ciel le sera divisé. Raison pour laquelle tu nous as dit aujourd'hui, pour que chacun prenne conscience, pour que chacun examine sa conduite, pour que chacun s'examine, pour que chacun prenne conscience de sa conduite dans ta maison, de sa conduite dans ta maison, de sa conduite même ailleurs, au milieu ailleurs. Seigneur Jésus, à cause de leur mauvais comportement, ton nom a été insulté. À cause de leur mauvais comportement, ton nom a été insulté. Ton nom a été blasphémé à cause de mauvais caractère de tes enfants. Si, oh Dieu, le païen insulte ton nom redoutable. Si le païen insulte ton nom redoutable, blasphème, à cause de nos mauvaises conduites. C'est-à-dire, nous ne sommes même pas dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne ton peuple. S'il te plaît, pardonne ton peuple. S'il te plaît, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, oh mon Dieu, mon roi. Tu veux nous amener, Seigneur, à un autre niveau de compréhension des choses. Tu veux amener ton peuple à comprendre les réalités des choses. Seigneur, je te prie, pardonne ton peuple. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, Dieu tout puissant, je te supplie de nous pardonner. Si ton peuple t'a irrité, t'a offensé, et à cause de leur comportement, le Saint-Esprit même les a quittés. Le Saint-Esprit a été attristé. Le Saint-Esprit a été attristé à cause de mauvaises conduites, à cause de caractère, à cause de comportement. Le Saint-Esprit a été attristé. Seigneur, je te supplie de pardonner ton peuple. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Je te supplie, Seigneur Jésus, de nous pardonner. De nous pardonner. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, pardonne-nous. Tu veux amener ton peuple au Dieu à changer la voie, à réformer les voies. Tu veux que ton peuple retombe les voies. Tu veux que ton peuple retombe les voies. Et tu veux que ton peuple change. Seigneur Jésus,
Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. C'est grâce à ton amour que ton peuple reçoit cet avertissement. C'est grâce à ton amour que ton peuple, oh Dieu, reçoit, oh Dieu, ce conseil aujourd'hui. C'est grâce à ton amour que ton peuple reçoit encore, oh Dieu, ces conseils qui sont, oh Dieu, utiles, ces enseignements qui sont utiles pour leur croissance spirituelle, qui sont utiles pour leur édification. Et qui sont utiles pour leur édification. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu as pardonné ton peuple, papa. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur. Seigneur, me voici devant toi. Je veux que tu m'aides à changer le caractère, à changer le comportement. Sans toi, je ne peux rien faire. Il faut l'aide du Seigneur Jésus. Sans son aide, toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Demande au Seigneur de t'aider à changer le caractère, à changer le comportement. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi. Seigneur, c'est lui, au Dieu, qui caractérise. Au Dieu, les vrais enfants de Dieu, c'est la conduite. C'est la conduite, au Dieu, qui, Seigneur, distingue. Au Dieu, les vrais enfants de Dieu, les faux enfants. Seigneur Jésus, parce que tu nous as fait comprendre
Tu veux que tes enfants soient sains dans toutes leurs conduites. Tu veux que tes enfants soient sains dans toutes leurs conduites. Seigneur, je te prie. Oh mon Dieu, mon bon, t'aider ton peuple. T'aider ton peuple. Que tu aides ton peuple. Avoir une bonne conduite. Avoir une bonne conduite. Seigneur Jésus, merci pour ces enseignements. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces enseignements. Merci pour tout ce qui a été dit. Et ce n'est pas tombé, mon Dieu, sur le sol aride. Seigneur, que le Saint-Esprit accompagne toutes ces paroles. Que le Saint-Esprit accompagne tout ce qui a été dit afin que cela produise des fruits dans la vie de chacun ici présent. Pour que demain, qu'on voit qu'il y ait des changements. Pour que demain, qu'on voit qu'il y ait des changements. Pour que demain, qu'on voit qu'il y ait des changements. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la disposition au cœur. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie.